Voilà. Bonsoir, bonsoir. Chers frères et sœurs, vous allez constater que ça fait la deuxième fois que je lance le direct. Et je suis obligé à chaque fois de couper parce qu'il y a des interruptions dans le direct. Je vous demande de pomper les cœurs dans ce direct. Chanel K, ma grande sœur, depuis ta position, salut à toi. Ce n'est pas un problème. Mille fois vous allez attaquer le direct, mille fois le Zulu de Bogota va sortir. Zasso Patrick, il faut te calmer. Il faut te calmer. Je ne parle pas seulement de toi, mais je parle de tous. Je parle de tous. Je l'ai dit ici une fois. Que même chers frères et sœurs, entre nous-mêmes, on est prêt, on s'attaque au cadre, ils sont comme ça, ils sont pas bien, ils ne nous regardent pas, ils font comme ça, on a compris. Mais la première des sincérités doit venir d'abord de nous-mêmes. La première sincérité doit d'abord venir de nous-mêmes. C'est facile de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, de rentrer dans une bosse des gens, les cadres sont méchants, les cadres sont comme ça. Chers frères et sœurs, chacun d'entre nous va rendre compte. Oui. Chacun d'entre nous va rendre compte pourquoi aujourd'hui les cadres sont devenus méchants. Pourquoi les cadres aujourd'hui sont devenus méfiants envers nous. Pourquoi aujourd'hui les cadres refusent de nous recevoir. Pourquoi aujourd'hui on a les difficultés à s'approcher des cadres. Mais c'est normal. C'est normal. Si toi un cadre t'a rendu service et puis tu n'as pas eu le courage de dire à ce cadre là merci et puis tu as mélangé tous dedans pour les insulter. Si seulement on est toujours sur les réseaux sociaux, ils sont méchants, ils sont comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Cette semaine là, cette semaine, ma soeur Maïmouna a demandé salut à toi depuis ta position. Chanel Kamagrando, salut à toi depuis ta position. Cette semaine, il y avait les élections qui étaient à reprendre dans certaines communes en Côte d'Ivoire. Pendant que M. Zasso était en train de s'attaquer au cadre là, il a oublié qu'il y avait un combat pour le RHDP. Il a oublié qu'il y avait des élections où le cadre RHDP devait chercher à remporter. Mais ce n'était pas son souci. Ce n'était pas son problème. Parce qu'il n'a pas encore fini de régler son problème. Parce que le fait que le président Ouattara soit candidat est son combat majeur. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour protéger le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. C'est la deuxième fois que je reprends le direct parce que les ennemis ne veulent pas que je parle. Parce que ceux qui n'aiment pas la vérité veulent qu'on nous parle. Voilà quelqu'un. Mon frère Zasso Patrick. Tu fais des posts, tu fais des vidéos. Black Samouraï n'est pas ivoirien. Lui là, il 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 n'est pas ivoirien. Et après, c'est toi qui dis dans ton direct que les gens considèrent que tu es un Kobala. Zasso, tu dis que le président Ouattara ne doit pas se présenter. Les gens sortent pour te dire que le combat que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Que le combat que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Que pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Tu sors. Lui, il est étranger. C'est les étrangers qui m'attaquent. C'est les étrangers qui m'attaquent. Zasso, il n'y avait pas problème d'étrangers ici. Mais en réalité, c'est ce qui est dans ton cœur que tu fais sortir. Ça veut dire que tu attendais une occasion pour traiter Black Samouraï, grand frère Touré Boubacar, tel ou tel d'étranger. Mais tu attendais une occasion, mais ce n'était pas encore tombé devant toi. Tu t'avais fait sortir aujourd'hui des anciennes vidéos sur Johnny Pacheco où il a insulté. Mais Zasso Patrick, toi aussi, tu as des anciennes vidéos où tu as insulté le président Ouattara.
toi aussi, tu as des anciennes vidéos où tu as parlé. Ça là, il faut laisser les autres vont faire. Mais toi, tu peux pas faire ça. Tu dis on est xénophobe. Tu dis on est tribaliste, on a compris. Mais Johnny Pacheco là. Johnny Pacheco là, il est quoi? Il est xénophobe? Johnny Pacheco là, il est tagbana? Johnny Pacheco là, il est koyara? Tu as parlé de la grande sœur Rachel Crasso. Grande sœur Rachel Crasso là, elle est dida, et pardon, elle est quoi? Elle est quoi? Il faut parler. Hier, pendant les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire là, tu étais avec le grand frère. Connais Nabagnon, tu étais avec lui. Donc, tu dis que tu connais le président Ouattara. Mais attends, la personne qui dans ces 6 derniers mois, ou bien c'est cette année-là, qui a eu plus de problèmes avec Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux, c'est toi. Faut me montrer une vidéo de Zulu de Bogota où il a eu problème cette année à Zasso. Et pardon, Johnny Pacheco. Montre-moi une vidéo de Coran Lacoste, de Black Samouraï, de Touré Boubacar, où ils se sont attaqués à Johnny Pacheco. C'est toi seul qui es dans ton combat. Série Solange est avec nous là. Série Solange, elle est quoi? Série Solange, elle est quoi? Mais tu es dans un débat où personne ne comprend. Tu es dans une logique où personne ne sait où tu vas. Moi, je suis sorti ici. Tu as fait ta vidéo. Tu dis non. Les Zoulous de Bogota, là, on ne s'occupe pas d'eux. J'ai dit non. Zasso, pardon. Si tu veux parler de ton problème, parle de ton problème. Mais toi et moi, Zoulou de Bogota, on n'a pas encore parlé. Donc, de grâce, parle de tes problèmes avec les cadres. Mais enlève mon nom dedans. Enlève mon nom dedans. Enlève mon nom dedans. Je ne suis pas dans ta logique. Je ne suis pas dans tes problèmes. Je ne t'ai jamais appelé un jour pour dire Zasso, les cadres sont méchants avec moi. Je ne t'ai jamais appelé un jour pour que toi et moi, on parle des cadres. Je t'ai dit, laisse-moi dans mon coin. Tu sors, tu viens dire que je suis devenu tribaliste. Mais je t'ai posé même la question de savoir, est-ce que toi tu sais ce qu'on appelle tribaliste? Est-ce que toi, Zasso, tu sais ce qu'on appelle tribaliste? C'est toi qui as toujours problème. Et la finalité de tes problèmes. Le président Ouattara ne doit pas être candidat. Les cadres sont devenus riches. C'est grâce au président Ouattara que vous avez eu l'argent. C'est grâce au président Ouattara que vous êtes devenu comme ça. Ça a quelle logique? Ça a quel rapport envoie avec le président Ouattara ne doit pas être candidat? Le président Ouattara ne doit pas être candidat en 2025, on a compris. Mais les cadres du RHDP qui sont là, qui sont devenus riches, vous avez l'argent aujourd'hui, vous êtes ministre, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais Zasso, ils sont devenus ministres, mais je vais t'expliquer la logique. Pourquoi ils sont devenus ministres? Parce que même dans les temps difficiles, ils n'ont pas abandonné le président Ouattara. Quand le RHDP est au pouvoir, et puis il y a des militants, du ADE qui parle, c'est normal. Mais toi, tu as abandonné le président Ouattara pendant qu'il était à l'hôtel du Golfe. Tu es dans cette situation-là aujourd'hui parce que tu as demandé, tu es réfugié parce que tu as considéré qu'il y a un dictateur qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Hein. C'est le président Ouattara. Mais moi, Zoulou de Bogota, je n'ai pas eu mes documents en Europe ici. Parce que le président Ouattara est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Je vais te dire quelque chose.
Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire sous Bédier. Donc, je peux critiquer Bédier. Ah oui, oui. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire sous Bédier. Donc, je peux critiquer Bédier. Oui. J'ai quitté la Côte d'Ivoire sous le président Bédier. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire tu n'as pas le droit. C'est depuis le temps de Bédier, j'ai compris que les choses n'allaient pas bien. C'est sous Bédier que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Mais toi, Zasso, aujourd'hui, tu as les documents en Europe ici parce que tu as considéré que le président Ouattara, qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire, là, c'est un dictateur. Oui. C'est ça qui est la vérité. Zasso, tu viens t'asseoir. Les cadres payent les maisons pour les gens. On les loge au pays. Mais Zasso, dis-nous la vérité. Quand tu vas en Côte d'Ivoire et puis tu fais 6 mois en Côte d'Ivoire, quand tu vas en Côte d'Ivoire et puis tu fais 8 mois en Côte d'Ivoire, les maisons dans lesquelles tu dors, là, qui te loge là-bas? Je n'ai pas dit que les cadres sont gentils ou bien ils sont méchants. Mais toi, Zasso, tu devais être le dernier sur les réseaux sociaux à critiquer les cadres. S'il y a une personne sur les réseaux sociaux qui ne devait pas parler de la méchanceté des cadres du RHDP, là, c'est toi, Zasso. Oui. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas parler de la méchanceté des cadres du RHDP sur les réseaux sociaux, c'est bel et bien toi. Zasso, pendant la campagne régionale et municipale qui s'est passée ces derniers temps, là, tu étais dans la Bagoué. Les maisons dans lesquelles tu dormais dans la Bagoué, ce que tu mangeais le matin quand tu te réveillais, là, à midi ce que tu mangeais, à 20h ce que tu mangeais, là, ça sortait de ta poche. Viens nous dire. Ça sortait de ta poche. Viens nous dire que tous tes voyages que tu fais en Côte d'Ivoire, où tu te déplaces là, il faut venir nous dire. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas m'arrêter à Zasso. Mais je vais parler de l'hypocrisie de certains cyberactivistes, cybermilitants du RHDP. Mon frère Zasso, où je suis là,